Pardonnez-moi pour le problème de mise en page, de mise en place. Nous allons utiliser le DAF même tête dans Maseret Yevamot, qui équivaut au DAF Ayomi de samedi, qui sera le 29 Cheshvan. Nouvelle Mishnah qui nous donne une marque loquette sur la définition du Mamzer. Et Zéou Mamzer, Kosher, Basar, Sheou, Velo, Yavo, dirait Rabbi Akiva, toutes les relations interdites qui sont liées à une proximité familiale. Premier avis. Shimon Atimni, deuxième avis, qui dit Omek Kosher, Hayu, Alav, Karet, toute relation interdite de la Torah, dont la punition est karet, le retranchement, bide shamaim. Ve'alacha kidvara, ve'alacha comme lui, Rabbi Yoshua Omer, Kosher, Hayu, Alav, Mitat, Bedin, toute relation dont la punition occasionne la mort de la personne. Donc on a ici trois avis. Un qui dit que ce sont les relations qui sont liées à une proximité familiale et que la Torah interdit, c'est Rabbi Akiva. Deuxième avis qui dit que n'est mamzer que celui qui a une relation que la Torah punit par un retranchement du ciel. Et troisième avis qui est Rabbi Yoshua qui dit que seules les relations qui provoquent la mort de celui qui les fait, eh bien, donnent un enfant qui est mamzer. Ça, c'est les trois avis. La Chaye comme le deuxième, et même si la Chaye comme le deuxième, on cite un avis qui renforce le troisième, qui est Rabbi Shimon ben Azai, qui dit que Masatik, Miglat Yohasim Yerushalayim, le Katouba, Ishponim Zem Echet Ish, le Kaen Dura Rabbi Yoshua, une Megillah, une feuille dans laquelle on disait qu'un homme était Mamzer parce que sa mère avait une relation alors qu'elle était mariée, et que c'est pour ça qu'il est Mamzer, ce qui sous-entend que la Lacha aurait été qu'à l'époque, comme Rabbi Yoshua, qu'il faut que la relation de la mère soit interdite et occasionne un Chiyuv Mita pour que l'enfant soit mamzer. Au passage, on continue et on dit que de la même manière qu'un homme ne peut pas épouser la sœur de sa femme tant que celle-ci n'est pas décédée, sa femme évidemment, eh bien, il faudra aussi, même s'il la divorce, même s'il ne peut pas la réépouser après son divorce parce qu'elle a épousé quelqu'un d'autre entre-temps, eh bien, il ne peut pas, même si elle est non plus, même si c'est Sayibama, sa belle-sœur, qui attend de Sayiboum, pareil, il faudra attendre son décès pour épouser la sœur. Ishto shemeta mutabachota, girsha meta mutabachota, isa la chayer, ou meta mutabachota. Ce qu'on vient de dire, qu'une femme ne peut autoriser sa sœur que si elle décède, même si entre temps cette femme-là a été divorcée, et même interdite si elle s'est mariée ailleurs. Pareil pour Yibimto, sa Yibama, sa belle-sœur, shemeta mutabachota, il peut épouser la sœur si elle est morte, la Yibama, halatla, même si elle a fait halitza, il faut attendre qu'elle soit morte, mutabachota, isa la chayer, si elle a épousé quelqu'un d'autre. Eh bien, ou mettre à ce moment-là, c'est quoi, les morts, ou tabakota. Maintenant, on revient sur la vie de Rabbi Akiva, son mamzer, qui pense que ce sont les relations qui sont liées à la famille et qui sont interdites par la Torah. Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison, le mécor, la source de Rabbi Akiva, sachant que les trois avis sont d'accord que la source sur la définition du mamzer vient de deux soukims qui se suivent. Un pasouk qui m'interdit les relations avec des femmes qu'ont connu le père, et après, un pasouk qui me parle de l'interdit du mamzer, et on apprend qu'il y a un rapport, que la définition du mamzer, qui est dans le deuxième verset, et bien la définition est dans le premier verset. Dans le premier verset, on te définit quelle est la relation interdite, et dans le deuxième verset, on te dit que la conséquence de cette relation, qui est un enfant mamzer, le yavobik à la chaîne ne pourra pas se marier avec un juif classique. Et simplement, la marloquette sera liée à la compréhension du premier verset. En fonction de la compréhension du premier verset, eh bien, on aura défini différemment le statut de mamzer. Rabbi Akiva nous dit, l'oïkah ish et eshet aviv, ve lo igale kenaf aviv, knaf shera aviv lo igale, ve savar ki rabbi yudade amar, banusat aviv akato medaber, davir haya lavin, ve samich le lo yavo mamzer bikal Hashem. La Torah nous dit, un homme ne pourra pas épouser la femme de son père. Et après, la Torah nous interdit d'avoir une relation avec une femme que le père a connue. Quelle est cette femme? Selon Rabbi Yuda, c'est une femme qui a eu simplement une relation avec son père. Son père a forcé cette femme à avoir une relation. Le simple fait que cet homme, que son père ait une relation avec cette femme, hors mariage, hors yiboum, eh bien, cette relation-là la rend interdite. Or, cette relation-là, le fait d'avoir une relation avec la femme qui a eu une relation avec son père, n'est interdite que par un lav, que par un interdit de la Torah. C'est une relation qui est liée à la famille, qui est interdite que par un lav. Il n'y a pas de karet ni de chiyuv mita. Et comme la Torah après enchaîne nous dit le yavo mamzer, un mamzer ne pourra pas venir. De là on apprend que le mamzer est le descendant de la relation qui est citée à la fin du verset précédent, qui est un homme qui a une relation avec une femme qui a connu son père, et à ce moment-là, cette relation-là n'est interdite que par un lav, un interdit négatif, et qui est intrafamilial, et donc il n'y a que ces cas-là qui font des mamzeries. Ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Maintenant Rabbi Akiva, combien qui pense qu'il extrapole les relations qui font des mamzerim
et qu'il dit que ça ne concerne pas que les interdits liés à la famille, même les interdits qui ne sont pas liés à la famille, voire même, selon certains, des relations qu'on ne peut pas avoir, non pas parce qu'il y a un commandement négatif, mais pas un commandement positif, comme le Mitzri ou le Edomi, le converti égyptien ou de Edom, qui ne peut pas se marier avec un juif, non pas parce que la Torah le lui a interdit sous forme négative, mais souvent positive. Ils ne viendront dans leur Mitzri qu'au bout de la troisième génération, pas avant. Selon cela, Rabbi Akiva doit rajouter un cas. Doit rajouter des cas, puisque selon lui, le pasouk ne parle que des relations qui ressemblent à des relations familiales, parce que c'est la femme qui a connu son père. Il faut rajouter, on apprendra ça, du Vav, de Velo Yavo, le Vav étant en trop, on apprend ces cas-là. Ce que la Gemara nous dit maintenant. Ou le Rabbi Sismaï, dem Rabbi She'er Chayve Lavin, de Lav She'er. Ou le Rabbi Jvav, dem Rabbi Afilou Chayve Asse. Pour Rabbi Simaï, qui rajoute les cas où ils sont interdits par la Torah, même sans être en proximité familiale. Et sur Rabbi Jvav qui rajoute ceux qui sont non pas interdits par un commandement négatif mais par un commandement positif, Nafkaleumi Velo Velo, on apprend ces cas en plus du Vav de Velo Yavo. Et Shimon Atimni, mais en deuxième avis, Shimon Atimni qui dit qu'il n'y a de mamzer que si la relation qu'il a créée est une relation qui est interdite et est punie par un karet. Ça va là, Karavan, il pense Karavanan. Qui pense que la seconde partie du premier verset ne parle pas d'une femme qui a connu son père, mais de la belle-sœur qui attend que le père fasse Iboum. Or, cette fameuse Ibama, si le fils a une relation avec elle, c'est Khayav Karet. Comme c'est Khayav Karet d'avoir une relation avec cette femme-là, et que le pasouk d'après nous parle de Mamzer, c'est pour ça que Shimon HaTimni pense que le Mamzer du deuxième pasouk est la conséquence de la relation qui est citée à la fin du verset, à la fin, encore une fois, je précise bien, à la fin du second verset, qui nous parle d'une relation qui est karet, puisque c'est la femme qui est la belle-sœur du père qui attend de faire Ibou. Bishimon Timni, ça va le karabon, il pense qu'on va banane, d'abri Bishimon Timbam, chez la vie, avec la tour, d'abri, la Torah parle de la belle-sœur du père, d'abri, la haïve écrit tout, qui est karet, et sa mihlev le yavo, mamzer, et après on enchaîne sur pas de mamzer, alma, mihlev écrit tout, avec mamzer, de là on apprend que il faut être chayav carré dans la relation pour avoir un enfant qui est mamzer. Rabbi Yoshua, qui pense que c'est Chiyou Mita, lui se réfère pas à la fin du pasouk, comme ont fait Rabbi Akiva et Shimon HaTimni, et qu'eux après ils étaient en désaccord sur quelle est cette femme qui est citée à la fin du premier verset. Lui se base sur le début du verset. Loïkah, il n'aura pas une relation avec la femme de son père, parce qu'ici la femme de son père est encore mariée à son père, c'est une relation qui est interdite et qui est punie de Mitat Beddin. Lui se réfère au début du verset. Rabbi Yoshua l'Irto Ahamana Loïgale, Loïkah Lamali, la Lavachika Ama, mi Loïkah Had Loïgale Ave Mamzer. C'est le début du verset qui définit Mamzer. Celui-là, qui a une relation avec la femme de son père qui est mariée, et donc qui a une relation qui est Revet Mita, c'est lui qui sera concerné par le deuxième verset qui dit Loïgale Mamzer. Donc Rabbi Yoshua se réfère au début du verset, qui est Rio Mita, Rabbi Akiva et Shimon HaTimni se réfèrent à la fin du premier verset. Et comme ils ne sont pas d'accord sur qui est le cas de la fin du premier verset, ils ont une marque loquette dessus. On a retrouvé enfin nos trois références selon les trois avis. Alors Abaye nous dit maintenant qu'il y a des femmes interdites qui, selon tout le monde, ne font pas des enfants mamzer. Moi, dit, mais va la Nida vers la Sota. Ceux qui ont une relation avec une femme qui est Nida, même sa femme, mais qui est Nida, ou avec une Sota. Une femme qui a, la femme qui a trompé son mari, qui est interdite à son mari, et son mari a une relation avec elle. Est-ce que l'enfant est mamzer ou pas? Tout le monde est d'accord que chez Nablan Mamzer, Nida Data Seba, qui peut chine chez Nemar ou Dehin Nida Ta'ala, on cite un verset pour nous montrer que comme la Nida, on peut lui faire des Kiddushin, et si elle est mariée à son mari, elle reste mariée pendant le temps où elle est Nida, c'est logique qu'elle ne fasse pas de Mamzer. La Filoubisha Nida Data Seba Kiddushin. Sota, c'est pareil, la femme interdite à son mari, elle est interdite à son mari, mais elle est encore mariée à lui, et donc du coup, elle fait un enfant qui n'est pas Mamzer. Nida Data Seba Kiddushin. Maintenant, on a une Braïta qui va confirmer ces deux à la croix là. Que la Sota et la Nida, même bien qu'elles soient interdites, tout le monde est d'accord que l'enfant n'est pas Mamzer. Sauf que la Braïta va nous rapporter un troisième cas. Et après, on se demandera pourquoi Abaye précédemment n'a cité que les deux premiers et pas le troisième qui est dans la Braïta. Nami Ari, Akol m'a dit, mais va la Nida vers la Sota, vers Al-Shemaïtia Bam. Tout le monde est d'accord pour la Nida, la Sota et le troisième cas qu'on rajoute ici, c'est la Shemaïtia Bam. C'est la femme, la belle-sœur qui attend de faire le hiboum. C'est une relation à l'extérieur. Mais même l'enfant n'est pas Mamzer. Chenavlon Mamzer. Alors, Agmara se pose la question pourquoi Abaye n'a pas cité le troisième cas. Agmara dira qu'Abaye était en doute parce que ce troisième cas est sujet à une marloquette. Abaye Shemaïti Abam, il se fait caler, il kirav, il kéchmoël. Il ne savait pas si la chèque en rabe comme Shmoël, si l'enfant est Mamzer ou pas, et donc du coup il a préféré ne pas
se prononcer. On avait dit que Rabbi Shimon ben Azzai avait trouvé une Megillat Tuchasin qui disait comme Rabbi Yoshua, qu'un homme était mamzer si la mère avait une relation adultère qui était chayav de mita. Et dans cette Megillat Tuchasin, il a trouvé aussi d'autres choses sur Rabbi Eliezer ben Yaakov et sur le roi Menaché. Tana Shimon ben Azzai Omer, Matati Megillat Tuchasin Moshe Mekatouba, Ishpani Mamzer, Meshetti, Jekatouba, Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kavenaki. Il y avait aussi marqué là-bas que la Mishnah, l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est toujours propre, toujours à la halakha comme lui. Et Katouva, et aussi il y avait marqué que Menaché a ravi Yesharia. C'est le roi Menaché qui a tué le prophète Yesharia. Et Rava nous explique pourquoi et comment. Amar Rava, Midan Daine Vekatle, il l'a jugé et il l'a tué. Comment il l'a jugé? Il a jugé que Yesharia, par trois fois, avait contredit la Torah par ses prophéties, et donc il était Nevi Sheker, un prophète menteur, que la Torah a ordonné de tuer. Amale, il lui a dit trois fois tu as contredit la Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Amar, il a dit ton maître Moshe, qu'un homme ne peut pas avoir Hachem et vivre. Mais Atamar, c'est toi Yesharia, tu as dit, que tu as vu Akadosh Baruch Hu assis sur un trône élevé et grand. Moshe Rabbeinu Amar, et en plus, tu as dit aussi que Moshe Rabbeinu a dit par Yamik Hachem, qui est comme Hachem notre Dieu, qui est présent à chaque fois qu'on l'appelle, qui sous-entend qu'il est tout le temps présent et qu'il écoute tout le temps les tchilot. Mais Atamar, c'est toi Hachem Bim Matseo, et toi tu as dit, cherchez Hachem et priez-le lorsqu'il est présent, ce qui sous-entend qu'il y a des moments où il n'est pas présent pour notre filote. Moshe Rabbeinu Amar, troisième contradiction, et Mispar Yamecha Amalé, un passage qui dit que je compléterai les années de ta vie, ce qui sous-entend que je te laisserai avoir le nombre d'années prévues et qui seront complètes, mais qu'il n'y a pas marqué, ce qui sous-entend que Hachem ne peut pas rajouter, entre guillemets, ne rajoute pas des années. Atamar, c'est toi tu as dit à mon père, Menaché a dit, tu as dit à mon père Hiskia, qu'Hachem lui a rajouté 15 ans de vie lorsqu'il était malade. Amma Yesharia, Yesharia, lorsqu'il a eu ses trois objections, a dit, Yadarabe de l'homme Kabel, ba Madehimale. Je sais que par malhonnêteté, il n'acceptera pas mes arguments et mes réponses. Mais Imale, Hachavi Mézid, et si je lui dis et qu'il me tue, il sera Mézid, il sera considéré comme étant plus fautif que s'il me tue en pensant qu'il a raison. Amar Hachem, il a dit non Hachem, et par le nom d'Hachem, il s'est dématérialisé, Yesharia. Ivla avait Arza et il a réussi à se fondre dans un bout de bois. Advouyé le Arza ou Tsaroua. Mais les serviteurs du roi ont vu que c'était lui et ils l'ont amené au roi. Kimata le Hadepouma et ils ont commencé à couper le bout de bois lorsqu'ils sont arrivés à sa bouche. Nahnafche, il est mort. Alors pourquoi le Sharia il est mort comme ça? Parce qu'un jour il a mal parlé du Ram Israël. Il a dit, j'habite au sein d'un peuple dont les lèvres sont impures et le manque de kavod eh bien, a entraîné sa mort. Maintenant, une fois qu'on a dit qu'il avait des réponses, on ne les a pas données. Donc finalement, il y a trois objections sur les prophéties de Yesharia et la Gemara va essayer de nous répondre. Et comme maintenant que Shukraya Adadé va hérer Hachem, le fait qu'il a dit qu'il a vu Hachem alors que Moshe a dit que c'était impossible. C'est comme une vraie que la Neville n'y s'accroche pas qu'à la chaîne Améra, Moshe Rabbeinu n'y s'accroche pas qu'à la Améra. Il y a une différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et celle de tous les autres prophètes. Moshe Rabbeinu, les autres prophètes voient des images comme dans une vitre qui déforme, qui n'est pas claire. Or, Moshe Rabbeinu voit dans une vitre qui est claire. Ce qu'il voit, il le voit clairement 100%. C'est la raison pour laquelle, comme Moshe Rabbeinu voit dans une vitre qui ne déforme pas, eh bien, il ne peut pas voir Hachem, parce que s'il voyait Hachem clairement, c'est comme il le voyait à 100%, et ça c'est impossible de voir Hachem. Par contre, comme les autres prophètes ne peuvent voir les images qu'ils voient, même si ce n'est pas Hachem, ils ne les voient que de manière déformée, eh bien, il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'ils voient une image qui représente Hachem, puisque dans tous les cas, cette image est flouée, est codée, et donc ils ne la voient pas telle qu'elle est. Deuxième objection. Hachem, il a dit qu'il était présent tout le temps. Et lui, il dit de prier Hachem lorsqu'il est présent. Ça dépend si on parle d'un particulier ou d'une assemblée. Une assemblée, Mikachem Kelokeno Becholko Enolav, Hachem est toujours présent. Et lorsque l'on dit qu'il faut le prier, il faut le trouver lorsqu'il est présent, c'est pour une fila de Yachid, d'un particulier. Yachid et Mat, quand est-ce qu'un particulier a Hachem qui est présent pour cette filote? Et l'eau à Sarayamu, chez Ben Rosh Hashanah, l'eau à Kippour, c'est pendant la septième échouva entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est là où Hachem est présent, même pour les particuliers, mais pour le Tibour, c'est toute l'année que les tfilot sont acceptés. Troisième objection, le fait qu'il y ait un pasouk qui dit Et Nispa Yamecha Amalé, je compléterai les années de ta vie, ce qui sous-entend qu'il les laissera arriver à leur compte
complet mais qui ne rajoutera pas. Et pourtant, on a dit que le prophète annonça à Hizkia que au lieu de mourir, eh bien, Hachem lui a rajouté 15 ans. La Gemara a dit Tanaehi, c'est une marque dans les Tanaïm. Dans une Maraïta, des Tanaïm. Misraï Vechamale, et Louchne Dorot, Zacha Machimimlo, le Zacha Pohatimlo dira que Rabbi Akiva pense que Hachem peut enlever des années à quelqu'un qui n'est pas méritant, et s'il est méritant, il ne fait que lui laisser les années prévues depuis sa naissance, mais jamais rajouter. Ça, c'est Rabbi Akiva. Chachamim Omrim, Zacha Vosifimlo, le Zacha Pohatimlo. Chachamim dit non, s'il est méritant, lui rajoute. Et s'il n'est pas méritant, on lui enlève. De la même manière qu'Hachem enlève, Hachem rajoute. Alors que Rabbi Akiva dit qu'il ne peut que enlever, mais ne pas rajouter. Alors, Amrulo le Rabbi Akiva, comment Rabbi Akiva peut dire qu'on ne rajoute pas? Pourtant, le prophète a dit à Hizkia qu'il lui a rajouté. Alors, il a dit Amrulo le Rabbi Akiva, Ré Omer, on s'attire à la Emecha, Hamesh, Aïsachana. Amalaé, Michelos, Osifulo. Rabbi Akiva nous dit non, les 15 ans qui ont été rajoutés à Hizkia, c'était 15 ans qui étaient prévus à sa naissance, qui lui avaient été enlevés à cause d'un manque de scrout à un moment donné et qui lui ont été rendus. Donc ce ne sont pas 15 ans qui ont été rajoutés par rapport à ce qui était prévu à la naissance, mais 15 ans qui ont été rendus, et donc ça marche. La preuve de Rabbi Akiva, c'est quoi? C'est qu'il y a une prophétie qui avait été donnée avant qu'il tombe malade, donc avant le moment où il devait mourir, il y avait une prophétie qui lui avait été donnée qui n'a pas été accomplie. Ce qui sous-entend qu'au départ, ce n'était pas prévu qu'il meure à ce moment-là, puisqu'il n'a toujours pas eu l'enfant qu'on lui avait annoncé. Pourquoi? Parce que Tedar, Sharin, Navi, Omen, Omin, Nabe, Hine, Ben Nolan, Ben David, Yoshia, Ushemo, il y a un enfant qui naît de la maison de David, qui a priori est la maison de David qui est ici, Hizkia Melech, et c'est Yoshia ou ce nom, Vadain, le Nolan. Et au moment où on croit qu'il devait mourir parce qu'il était malade, il n'est pas né. Donc on voit que ce n'était pas prévu qu'il meure à ce moment-là. Donc c'est 15 ans qu'on lui a enlevé. Et donc quand le prophète vient lui dire tu es guéri, tu as 15 ans en plus, c'est 15 ans rendus par rapport à ce qui lui a été enlevé, non pas 15 ans de bonus total. Vadaï no donan menaché. Ve rabanan, et rabanan ils disent quoi? Mikti ime Hizkia. Levet David tiv. Ime Hizkia nolan, ime inish haina. Et nous disent rabanan, pourquoi rabanan ne sont pas d'accord? C'est parce que il n'est pas évident que là-bas, lorsqu'on avait dit qu'un enfant est né ou va naître de la maison de David, personne ne dit que c'est Hizkia, parce que Hizkia fait partie de la maison de David, mais pas exclusivement. Il y a d'autres personnes qui viennent de la maison de David. Il est possible que la prophétie ne concernait pas Hizkia. Donc on n'a aucune preuve que Hizkia, avant d'être malade, aurait dû vivre plus que 15 ans. Et donc aucune preuve que les 15 ans donnés après la maladie étaient en fait 15 ans rendus après avoir été enlevés précédemment, comme le pense Rabbi Akiva. En tout cas, on a la marque loquette, Rabbi Akiva, Rabbanan. Est-ce que Hachem, en plus d'enlever de la vie, peut rajouter ou il ne fait que compléter? On termine sur la Mishnah. Ishto Shemeta, Yimdu Shemeta, on avait dit qu'une femme, pour que sa sœur soit autorisée, il faut qu'elle meure. Pareil pour la Yibama, quels que soient les cas, divorcée ou pas, remariée ou pas. Amar Rabbi Yosef, il a dit, Kan Shana Rabbi, Mishnah Shana Srecha, ici, Rabbi Yonassi enseigne une Mishnah qui a priori n'est pas tellement nécessaire, puisque c'est quelque chose qui est assez compréhensible du verset. Simisha Shana Srecha, et on a terminé le Perek, Réveillé 4ème Perek, Adran Alach, Aholet, Tani Bimto.